Aujourd'hui, c'était un petit peu difficile pour nous. La dernière qu'on avait mis. On a fait un peu de patience, on a géré comme on pouvait. On n'a pas chargé de trop. On a pu réussir pour l'image à faire l'arrivée. C'était le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était difficile. Au niveau du haut, c'était jam, le vent a augmenté. On a pu quand même recoller les premiers. Et puis au niveau de la boue de Rivière Pilote, malheureusement, on a des allées. C'est les allées de la course. Mais on n'est pas démotivé pour autant et demain, on va repartir le plus belle. J'ai bien parti au diamant. Arrivé au diamant, le vent aussi est un peu plus grand. On n'a pas pu supporter le vent. Jusqu'à un moment, on a descendu. Pour moi, c'est du mauvais jour. Pour l'équipe, c'est du mauvais jour. Ce matin, on est arrivé sur la plage. On a été regardé le vent et tout. On a pris un canot, on a été regardé le vent et tout. Et on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Donc on s'est dit qu'on va mater une 60 carrés. On a maté une 60 carrés. Ça nous a trompé, ça nous a forcé un peu et on a couru avec. Et après, on a été sur la plage. On a maté une 50 carrés. On est reparti avec. On a recouru avec. Et là, on a maté la 30 carrés. Bienvenue au Maroc pour cette étape du Tour des Yoles pour laquelle on a travaillé depuis de très longues semaines avec toutes les équipes, équipe technique, équipe administrative, toute la partie environnement. Voilà, donc nous sommes très 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 heureux d'accueillir cette étape. On espère en tout cas que tout se passe bien sur l'eau parce que c'est un peu compliqué de tout suivre en même temps, de gérer un petit peu ici avec les services de gendarmerie, les pompiers, toute la partie secours, etc. Et puis voilà, donc le Marin c'est aussi une terre d'accueil, hein, comme le Robert. Hein, nous sommes des villes nautiques, maritimes, avec ce sens en tout cas de nous aussi tourner vers la mer. Et ben, ça nous fait plaisir de vous recevoir chez nous. Et puis j'espère que ce ne sera quand même pas une fois l'année au Tour des Yoles seulement. Hein. En tout cas, bon Tour des Yoles à tous, bonnes vacances, précaution, prévention et puis fraternité entre Martiniquais. Allez, bye bye.